Bien, bonsoir, c'est bon, ça marche. Ok, nickel. Comment allez-vous? Bah écoutez, il fait chaud. Hop, on est ready. On s'était laissé, donc oui, c'est ça, le héros légendaire, le fameux héros légendaire. On était au Moyen-Âge. Et on allait taper des méchants. Est-ce qu'on avait besoin de visiter la ville? Je crois pas, hein. On était plutôt bien, hein. Donc on pouvait se rendre tout de suite ici, je suppose. De toute façon, il n'y a pas trop le choix. Ah, quoi qu'après, ça remonte là-bas. Attendez, est-ce qu'il n'y a pas un petit secret? Non, dommage. Il y a encore un village en dessous. Très bien. Bon, on va aller ici d'abord. Demeure de Fiona. Alors, évidemment, toute chose, hein, nous sommes avides d'argent. Nous avions déjà récupéré un pendentif auprès de Marle. On était plus intéressé par le pendentif. Évidemment, avant de parler à Fiona, on va d'abord regarder dans ses coffres, bien entendu. Comme n'importe quel joueur de RPG qu'il soit. Donc, deux super éthers. Merci, Fiona. Je suis ravi de faire votre connaissance. Mon mari Marco n'est toujours pas rentré de la guerre. Dans cette forêt que nous avons grandi. Alors je vais au moins la protéger jusqu'à ce qu'il revienne. Merci pour votre collaboration, Fiona. Dans cette forêt, donc la forêt est un donjon? Non? Peut-être. Ouais, ça a l'air d'être un donjon aussi. Que nous sommes à Palpori. Très bien. Maison de Tarpa. On dit que mon fiston est le héros. C'est peut-être un de ces gars ou... Un de ces gars ou Noir Géline, Pont Blanc œuf, hein? Noir Géline, Pont Blanc œuf. What? J'ai quand même du mal à y croire. Bah, être le père du héros n'est pas mal du tout. Il paraît que mon petit-fils est le héros, mon propre sang. Combien de temps? C'est une autre question. Bon, il y a l'auberge. Après... Ok, on est sur une auberge classique. Et là, nous avons la maison du maire. Et c'est tout. Je serai l'épouse de Tarta. Très bien. Là, il y a deux coffres. Intéressant. Si seulement j'avais du jambon épicé, je pourrais préparer un repas formidable. Bah. Les coffres à côté du lit ont été transmis de génération en génération dans notre famille sans être ouverts. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Si vous arrivez à les ouvrir, je vous donnerai leur contenu. Oh. La grotte située dans la montagne à l'est des monts d'Enadoro est surnommée la grotte des mystiques. Donne la chair de poule. Tarta possède la médaille du héros. Je croyais d'abord que c'était une copie, mais c'est la vraie. Tarta est réellement le héros. En ce moment même, il doit être à la recherche de l'épée légendaire dans les monts d'Enadoro, au nord d'ici. Alors du coup, j'ai pas eu trop le temps au final de re-régler le souci du chat sur OBS. Du coup, hein, je refais à l'ancienne. Ce soir, j'aurai... Le chat sur le téléphone. Ok, donc direction la forêt. Forêt aux grenouilles. Tiens, tiens, tiens. Propriété privée, accès interdit. Ah, mais j'avais pas vu qu'il y avait les serpents aussi. C'est pas grave, ça fait de l'XP. Faut le voir comme ça. Ah, mais ils sont résistants en plus. Attends, les serpents attaquent les grenouilles. D'accord, si vous voulez. Ils ont l'air rapides par contre. Vous m'entendez bien? Le son est bon, hein? N'hésitez pas à préciser, hein. Ok, le duo défi là, ça fait mal côté magie.
Une tente, très bien. La riposte plus l'attaque. C'est bien ça. Ça, c'est vraiment un item cheaté. Hein. Je pense qu'on va le garder un bon moment. J'aurais dû balancer la poudre. Ah, pas mal. Pas mal cette attaque. Est-ce que la glace, ça va vraiment marcher dessus? Ah oui. Je me suis posé la question, est-ce que la grenouille en haut est vraiment dans le combat? En fait oui, mais j'ai pas l'impression qu'elle attaquait. Eh bien. Couleur magique. Tac tac tac. Magie plus 2. Ouh. Est-ce que ça serait pas intéressant? Ah bah non, il a déjà... Enfin, elle a déjà... Ça serait intéressant. Mais... Elle est déjà 20, hein. Non, on verra, on garde pas un autre perso. Qui va là? Gren! Oui! Ah, c'est toi, le gars. Qu'y a-t-il? Serais-tu venu t'exercer à l'épée? Comment? Le roi était blessé? Je vois. Il n'y a rien que je puisse faire. Je suis désolé. Laissez-moi seul. Non. Je ne suis pas un héros. Je ne peux rien faire. Oui, bien sûr. Ah. La riposte. Alors si le serpent peut attaquer l'autre grenouille, pourquoi pas. Bon bah pas besoin. Et bah voilà, nickel. En plus on level up, très bien. Alors par contre j'ai pas l'impression qu'il y avait d'autres chemins. Hein. Ça avait l'air de faire du tout droit. Il fallait aller dans les montagnes, je crois. On peut pas. Attendez. On peut aller dans celle-là, non? Il n'y avait pas une histoire des montagnes? Ah, voilà. Je pense qu'il nous rejoindra. Attends, on avait... Pourquoi ils sont si faibles? On n'avait pas fait ça?
Alors quoi? Pourquoi sont-ils si faibles? Oula. Hop. Ouais, il rapporte plus d'elle. Cet endroit est terrible! C'est trop dangereux! Fichez le camp! Fuyez! Ah, il est plus résistant celui-là. Tiens, d'accord, on peut brûler son arme, c'est bon à savoir ça. Petit éther, là il y a un pont, mais on va aller voir où est le gamin d'abord. Nectar d'Athéna, parfait. Les oiseaux ne traînent pas la poudre. Du coup, pareil, est-ce que par contre ça marche tout le temps? Oui, ça doit marcher tout le temps. Je fais un brasier d'abord, il perd son arme. Ok, ça a l'air d'être instantané du moment que tu le brûles, c'est bon. Qu'il n'y ait pas quelque chose de caché dans un derrière un décor. Ça c'était une riposte. Une attaque, très bien. L'appareil peut alors cramer. Ça se passe bien. Moi, je me demande si par exemple le fait d'avoir fait un peu les égouts, par exemple, on n'a pas un petit peu de level en avance. On n'est que niveau 14 en soi, je sais pas jusqu'à combien, je pense que ça doit monter pareil jusqu'à 99. Est-ce qu'il y aura besoin de monter jusqu'à 99? Ça, après, c'est autre chose. C'est de l'ice tea, hein. Pour ceux qui demanderaient. Enfin, c'est du vrai ice tea, parce que nous sommes bretons, donc nous avons notre propre ice tea. Pas d'accord. Là, il y a un coffre, on va d'abord aller chercher le coffre. Évidemment, il y a le petit moineau. Je pense à soigner un petit peu le gars, parce que depuis tout à l'heure, on prend, et on se soigne pas, donc si on tombe contre un plus gros mob... Je vais peut-être attendre du coup le combo, histoire de soigner tout le monde. Voilà, le cyclone est derrière normalement, je pense que le flingue doit l'achever, non? En plus un coup critique, voilà, ça dégage. Oh fuf. Nectar d'Athéna, on prend. Complètement. Armée d'or, ouh. On en a déjà récupéré un avec le gentil
le gentil monsieur qui était au pont dans l'épisode précédent, enfin dans la session précédente. D'ailleurs, là en stock actuellement, il y a 7 VOD. Donc la troisième est sortie aujourd'hui. Alors je les mets le matin, je teste, voilà. Je les sors le matin, comme ça les gens, si jamais au réveil, ils ont envie de regarder un peu, puis sur la pause midi après, et puis voilà, ils ont la journée, ils peuvent regarder en plusieurs fois. Et en tout cas, oui, j'ai préparé aussi les autres, évidemment. Donc là, généralement, comme je commence plus tôt, enfin là, on a commencé à 20h, mais comme c'est vrai que généralement, en semaine, je filme pas trop tard. En fait, dans la foulée, tant que c'est encore chaud, je fais direct, je découpe direct les VOD, comme ça, c'est fait. Je sais à peu près où découper, et puis je me souviens ce qui a été dit et tout, donc... Même pour les titres, en fait, bah, je le fais quasiment direct. Le seul truc, c'est que je suis obligé d'attendre que le transfert se fasse sur YouTube. Et après, j'ai juste à retravailler la description, la miniature. Enfin, même si en soi, la miniature... Je suis plutôt content du résultat, d'ailleurs. Après, on va toujours faire mieux, hein, mais... Je trouve la miniature pas trop mal. Content. Et oui, puis bah, du coup... miniature, et puis les informations, quoi. Bah, généralement, je les poste. Contre hier, je posterai à 8h du matin. Même le week-end, probablement. Il y avait un coffre là, non? En descendant, oui. Là, c'est un piège. Super potion. Ah, très bien, on en a utilisé une ou deux. Oh, un arc-en-ciel. Pourquoi il n'y a que la moitié d'un arc-en-ciel? Ça paraît bizarre. On balance des trucs à la figure. Pas très sympa, ça. Pourquoi pas, ou gold comme vous voulez. Du coup, c'est bête que Lucas soit en dernier en termes de rapidité, puisque là, bah, le feu, évidemment, on en a besoin. Ah, mais ça enchaîne! Je me critique, quoi, normal. Peut-être pour pouvoir jouer. Ouh, le petit 400. Je crois qu'on n'a pas réussi à faire mieux en termes de dégâts. Ah oui, d'accord, ici c'est scripté en fait. Mets-toi bien au bord de la colline, comme ça. 438, on fait encore mieux, bah voilà, si c'est de demander. Allez, tout le monde à l'attaque, on le finit, parfait. J'ai même pas le temps de bouger, hein, c'est... D'accord. Ça c'est la riposte gratuite, ça c'est un ennemi en moins. Non, il survit, donc il doit avoir 110 PV.
la riposte derrière, le coup critique 110, voilà, si vous pouvez le demander. On brûle le marteau. C'est vrai qu'en soi, les combats, il n'y a rien de bien compliqué. Au début, je pensais être un peu perdu. Alors, j'ai ralenti un peu la vitesse, histoire d'en un peu plus profiter, de prendre bien le temps de faire les actions, mais... Ouais, je peux peut-être remettre de base, on va voir. Attends, elle a pris quoi ? Soin ? Oh ! Ah oui, par contre, c'est pas du soin de... Oh, ok, c'est du bon soin, c'est 300 soins, quoi. 300. Ok, oui, réglage. Je vais augmenter. Par défaut, c'est à 5. Alarme! On va être un peu plus réactif sur les combats du coup. Incroyable, première fois que ça nous arrive, première altération d'état autre que le poison. Donc, il aura fallu attendre presque 7 heures de jeu. Hein. Donc ça va. Super potion encore, c'est super. Alors j'ai suivi mon instinct de boucle d'argent. J'ai intérêt que ce soit un bon truc. PM requis moins 50%. Oh, 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 oui. Alors du coup, je vais mettre ça sur Marle pour qu'elle soigne. On va pas trop embêter comme ça. Du coup, je redescends comment? Ah mais attendez, du coup, ça m'a ramené au début? Non. Pendant d'argent. Il y a plein d'objets, là. Mais du coup, PV max plus 25 pour... C'est loin d'être négligeable tout ça. Oh, attendez, du coup il y avait un chemin caché là. Ah, je peux plus y retourner. Ah. Bon, c'est bien, d'un côté c'est bien, on récupère tout ce qu'il faut. On se retape le combat malheureusement, mais... C'est quoi, on va laisser en auto. Ça, moi je peux profiter. Comme ça, on voit aussi si en auto, ils se contentent juste d'attaquer normalement, ce qui varie un peu. Visiblement, ils ont l'air d'attaquer. Luca apprend bonbon de napalm. Dieu au sabre de feu a pris. Dieu au sabre de glace a pris. Oh là 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 là. Magnifique. Taisez-vous, ne me dérangez pas. Cyclone enflammé, de péter, vas-y. Ok, bon. Les sabres de glace, fais voir. Oh. Yeah, ok. 473, encore mieux. Ok, là ça devient intéressant, là ça devient intéressant, là ça nous parle. Oh, qu'est-ce que je voulais dire? Ah, comme les montagnes sont jolies. Là, c'est pas le même. Elles sont si belles. Vous n'abandonnez donc jamais, hein. Tenez. Gélule de magie. Ah, mais j'ai bien fait de l'harceler. Dans le coup, lui demander à chaque fois.
Ils l'ont réutilisé. On peut te permettre, c'est vrai que je fais souvent l'erreur de vouloir garder trop longtemps mes objets, mais au final on n'utilise jamais plus de la moitié. Les tentes, à chaque point de sauvegarde, si on peut l'utiliser, on l'utilise. S'il y a nécessité d'utiliser, bien entendu. Par contre, on nous donne plein de super éthers, donc je pense que ce qui nous attend, ça va nécessiter pas mal de magie. Ok, bon, cela, ça va. Tape pas fort et il meurt vite. En plus, c'était une riposte. Oh, c'est bien ça. Très bien, le flingue aussi. Je vais le défoncer. Il mérite. Ouais, je sais, c'est pas... Non, c'est pas les joues d'attaque. C'est normal qu'elle ait perdu autant de vie. J'ai pas fait gaffe. Ouais, faut falloir que je fasse attention là, dis donc. La riposte gratuite plus l'attaque. La riposte gratuite aussi. Par contre, on a pris un peu cher. Je suis le vent. Ouh, qu'est-ce que tu fous là, gamin? Attends, quoi? Qu'est-ce que tu... Oh, ok, je le vois grand, c'est... Il a essayé de prendre l'épée, et il est redevenu gamin. C'est une référence à Zelda, du coup? Êtes-vous venu chercher grand Léon, vous aussi? Oui. Je vois. Attendez un instant. Qu'y a-t-il, Léon? Oh là là, encore! Vous voulez obtenir Grand Léon et vous faire une réputation en tant que héros, c'est ça? C'est ridicule. Les êtres humains ne sont que des idiots. Ce qui compte, c'est pourtant la façon dont on utilise la force que l'on a. C'est parce qu'ils ne comprennent pas quelque chose d'aussi évident qu'ils sont des êtres vivants, des êtres humains, ok. Que devrions-nous faire, Gran? Les mettre à l'épreuve, bien sûr. Jouons un peu avec eux. Oui, allons-y. Let's battle! Ok, ça tape fort, mais rien d'impressionnant. Ouais, mais aussi ils ont changé de nom. Ah. Ouais, ils ont dû refaire des modifs de nom, hein, c'est sûr. Ah, il est confus.
Ah, il a quoi exactement là? Et ces deux brouillent pas mal, hein. Donc c'est Léon et Gron. Ok, Gran. Vous êtes les seuls à nous avoir donné du fil à retordre depuis Cyrus. Que devrions-nous faire, Gran? Nous allons nous battre. Tout de bon. Oh. Bien, cette fois, on ne joue plus. You, John? Gran, le courage. Et Léon, la sagesse. Deux ne font qu'un. Non mais c'est Ganon. C'est Ganon. Ah attendez, c'est pas lui qui aime pas le feu et qui absorbe la glace. Y a pas un truc comme ça? Non. Il aime bien mettre des tatanes, hein. Il me semble que de base l'un s'appelle Massa et l'autre Mune. Ah Massa, ah bah oui. Massa Mune, oui, ok. Effectivement. Vous auriez pu laisser ça comme ça. Ça m'aurait beaucoup plus parlé que ce qu'ils ont mis là. C'est peut-être parce que c'est traduction française, je sais pas. Là du coup je sais pas du tout. Bombe au napalm. Allez vas-y, on n'a pas testé. Grenade! Ça va être nul en fait. Waouh! Ouh là, ça tape fort là, ça y est. Eh merde. Fais gaffe. Le monsieur s'est un petit peu énervé là. J'ai peut-être pas fait gaffe, mais il était peut-être en mode riposte. Ouais. Non, je me suis bourré. Bon, c'est pas grave. Effectivement, il monte en puissance, le bourre. Les petites ripostes, elles font du bien. Là on soigne tout le monde. Tout le monde, pardon. Et vas-y que. Grenade! C'est fini! Accumulation d'énergie tourbillonnant. C'est mort! C'est mort! Tu fais pas, tu fais pas, vilain. Aïe. La petite grenade en cours. Ah, il a changé de cible. Il a compris. Allez, let's finish this. Oui. Ok. Bon, un petit peu de frayeur, mais pas rien de bien méchant. Ils nous ont vaincus, Gran.
Je me suis bien amusé. Je me demande si ces gens vont nous restaurer. Sauront-ils nous trouver un maître? Oui, tout ira bien. L'épée de mana? Ah non, pardon. L'épée légendaire, cependant, elle semble avoir été brisée il y a longtemps. Vous obtenez la lame brisée de Grand Léon. Je pense qu'il va falloir la donner au forgeron. Je vais vous faire porter par le vent jusqu'au pied de la montagne. Ah, c'est sympa ça. Nous comptons sur vous. Merci bien, c'est très gentil. Du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on revienne dans le présent. C'est ça, hein? L'espèce de forgeron qui était sur le marché au début. Enfin, sur la, le marché. La place de la foire, plutôt. Il faut qu'on aille le voir, maintenant. Ça me paraît très logique. Quand on a des thunes... Comment il s'appelle déjà? Celui qui voulait acheter, qui proposait de racheter le pendentif de Marle au tout début. Pour ça, il fallait être présent. Ah, par contre, attendez, je vais retourner voir vite fait Gren s'il n'y a pas eu du nouveau. Putain, ces esquives incroyables. Je ne suis pas un héros, je ne peux rien. Ok. J'éteins ta bougie? Non. Tu visualisais plus celui au présent, pas loin de la grotte que t'as ramené au continent du début du jeu. Ah, attends. Je sors la zone, je relis ton message. De la grotte. Et de la grotte. Oui, non, si, je pense qu'on parle du même. Ah, merde. On va fuir. Voilà, c'est ça. On pensait au même, c'est bon. Mais ça se trouve, c'est pas lui, hein. Mais c'est ma théorie. Attends, comment je retourne du coup à mon époque d'ici? Non, c'est pas le château, c'est par là. Hein. Ouais, c'est par là. Oui, c'est ça, il avait une maison pour lui tout seul. Mais ça, du coup, c'est en l'an 1000.
contre, effectivement, les personnages qui ne sont pas dans le groupe gagnent tout de même de l'expérience, mais pas autant. Oui. Je crois que ouais, c'est par là, hein. Donc effectivement, il y avait. C'était par là, non? Yeah. Évidemment. Mais où est Poche ? Message ? Voyons voir. Parti colporter mes marchandises. Et revenir plus tard. Quoi ? Il s'absente au moment critique ? Bah du coup, ces marchandises, il les emmène où ? On le sait, non ? Si on regarde dans son livre de compte, peut-être ? Non, on peut pas. Non. Non, pas ce boche-là, Angel, bonsoir. Pas ce genre de boche, non. Je savais que quelqu'un allait faire la blague.